sont passés les livres? Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt fini, va. Vitalis a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte. Des jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On va en entendre parler. Assez de livres ou je vous en mets plus? Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait lire. Ah, c'est de la lecture païenne tout ça. Le Sanguinis Itinera est un livre sacré. Le savoir qu'il contient remonte aux origines de l'homme. Et ce savoir peut tous nous sauver. Alors continue de fouiller et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre, la couverture, le Sanguinis Itinera. Ouais. Il le cherche aussi. Je dois faire vite. Stupide. Ces putains de races. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Franchement, la prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore. Oh, et voilà. Alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Au Bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Des choses qu'ils font là-bas. Allez, je préfère pas en parler. Allez, sortez de là. Allez. Vous, c'était pas la foi. Il y a quelqu'un ici. Amenez-vous. Une marguerite. T'es loin de ta maison, toi aussi, hein? Porte-moi chance.
On fait ça pour Hugo. Le monde. Avance, forgeron. Du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Un prisonnier. Eh ben, il va peut-être enfin ouvrir cette porte. Je peux pas passer par ici. Y a trop de gardes. Ravons ça. Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Allons voir. Fais attention. Y'a rien. Calmez-vous. D'accord. J'ai vu les roses depuis un moment. J'espère que je m'éloigne pas trop. Hugo de Rune. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénéfant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite, l'épisanguis. Comment t'appelles-tu, mon garçon ?
Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisanguis peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. C'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad Ignem. Ad Lucem. Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Lourde. Ah, il doit y avoir un moyen. Je sais pas qui t'es, mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hé, vous là-bas! Gare! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Je veux pas te presser, mais ils continuent d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Et allez! Et voilà! Ramène-toi! L'alerte est donnée. Ils vont plus nous lâcher. Comme ça. Réfléchis pas, cours! Un seul cul-de-sac et on est fichu! Il faut qu'on se planque! Il faut qu'on les ralentisse! Ça va suffire, tu crois? On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre.
fait ce que vous avez tous avec ce foutu livre. Il peut sauver mon petit frère, je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Oh, wow. Une autre bibliothèque? Sous la bibliothèque? C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde! Là-haut! Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Un coup de main? Ouais. Intéressant. Les étagères forment une poursuite. Ton chemin jusqu'au livre. Facile. Oh, elle est coincée. Tu m'aiderais avec ça? Je fais ça. C'est trop haut. J'ai besoin de quelque chose pour me hisser. Oh, mieux vaut ne pas y toucher. Attends ici. Je t'attends. Je n'y arriverai pas toute seule. Tu veux bien m'aider? Ça marche. Un coup de main? Ouais. Aide-moi avec ça, tu veux? Si tu veux. Peut-être parler trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Roderick? Ouais. Bouge, Amicia. Tu gênes. Maintenant. Ça roule. Attends. De suite. Roderick? Ouais. J'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids, ça a lâché. Bon, va falloir être très prudent. Parfait. Au fait, je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Roderick, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte? Des sortes de moines. Pas bavards. Mon père a fait les plans, c'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Fais pas mal. Tu veux que...
au calme. Où sont les soldats? Maintenant! D'accord. Eh ben, ça c'est pas de l'amour. Allez, il faut qu'on en finisse. Rodrigue? De suite. J'y suis presque. Allez, ça fait trop longtemps qu'on est là. Le livre, j'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. De la foire, là, derrière. T'es prête? J'ai... Oui, plus que jamais. Va chercher les autres, allez! Où ils sont, bordel? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence. Il n'est pas question que je perde ce livre. Comment les choses ont pu dégénérer à ce point? On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Tu t'en charges, Rodrigue. Ça, c'est pour mon père. Waouh! Tu fais ça souvent? Non. Mais j'y prends goût. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Sur le pavé, lui. J'aime pas ça. Occupe-toi de lui. Toi, t'es fini. Bien joué. J'y suis peut-être allé un peu fort. J'aime pas rester à deux. Un verre comme ça, on s'en prend un chacun. À ce point, faut bien quelqu'un pour les cueillir. D'accord. Mais juste une question de prix. Quand tu veux. Le garde. Tu me le diras pas deux fois. Beau travail. Il se relève.
Dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Ça sent... la cheminée. Oh, merde. Oh non, un incendie. Merde. C'est nous qui avons... Propage. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur. J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain de rat. Vous manquez plus que ça. Les rats, le bouclier... Il est intouchable, Roderick. Attends. Quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Les livres vont brûler. Attends, quoi ? À ton livre ? Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer en plonge. Si je... Hugo ! On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. Attends, mais... Il s'est passé quoi par là ? Hein ? C'est quoi ça ? Vraiment entrer là-dedans. Ouais, si tu... Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi, et fais gaffe à ton livre. Ils sont là, t'occupe pas d'eux. Oh, Seigneur. J'ai besoin d'aide ici. Allez, allez. Elle, tu m'entends? Réveille-toi. Verrouillé. Ça brûle derrière. T'approches pas. Qu'est-ce que tu fais? Je... L'ouvre. Roderick, est-ce que ça va? Cours. On est presque. À gauche. Allez. Par ici.